Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Là, la recette que je vous propose, c'est comment je fais une petite soupe de crevettes. Voilà, accompagnée avec patates et métis. On prend ça pas plus, on y va. Ici, pour débuter la recette, je vais faire une petite marinade, la hake, piment, sel, clou de girofle, poivre africain que je vais faire griller. Ok, là, de côté, j'ai échalote, oignon, feuille d'oignon, poireau, ail, gingembre. Après avoir grillé mes kécha à côté, là, je vais rajouter sur ceci puis les mixer. Voici un peu à quoi la texture va ressembler. C'est pas encore fini. Et là, je rajoute un poisson salé fermenté et puis poisson sec et crevettes séchées. Là, on va mixer tout ça. Adjuvant, poisson fermenté, là, c'est adjuvant. Ok, après avoir bien mixé, voici un peu à quoi la texture va ressembler. Pour une meilleure conservation, vous pouvez rajouter de l'huile. Là, voici mes crevettes qui ont été très bien rincées. Je vais rajouter un peu d'huile. Je rajoute un peu de tomate. Je vais également rajouter des oignons. Émincés. Et là, nous avons du poivre blanc. Et mon bouillon d'assaisonnement bio qui viendra remplacer le cube d'assaisonnement industriel. Voilà. Là, je vais laisser tout cela revenir. Bon, je vais laisser tout cela frais. Et ensuite, je rajoute ma marinade. Voilà. Je viens y ajouter mes crevettes. De l'eau. On va couvrir et laisser tout ça là bien bouilli. Bon, pas bien bouilli, mais légèrement. Je vais rajouter quelques légumes tels que oignons, tomates et puis un piment bien fort vu que les crevettes sont un peu plus sucrées. Là, je crois que mes légumes là sont cuits. Je vais les retirer puis les mixer. Ici, je vais rajouter la mixture là à ma sauce et dire piment les têtes dosées. Parti. On va laisser tout ça. Je vais rectifier l'assaisonnement avec mon bouillon d'assaisonnement bio. Et on va laisser tout ça la mijoter pito à feu moyen. Ici, je pense que ma sauce là, elle est prête. On va dresser. D'abord, je passe à mon attiki. Pour notre attiki là, j'ai pris l'attiki que j'ai réchauffé. J'ai rajouté du sel. Je rajoute de l'huile rouge. On va bien mélanger. Il faut dire que la couleur de votre attiki métisse va dépendre de la quantité de l'huile rouge. Là, je pense qu'on va dresser. On se dit à tout à l'heure pour le résultat final. Ok, les amis, voici le résultat de ma soupe. Si tu as aimé, n'oublie pas de liker, de t'abonner et puis de partager. Tu peux activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes recettes lorsque je mets en ligne une nouvelle vidéo. On se dit là, bye bye. Là, voici la sauce là. En tout cas, je vais faire combien de recettes? 5 recettes. J'ai tout mélangé. Voici. Crevettes là, voici crabe, voici gésier de Turkish dinde, voici la viande de bœuf avec la peau là,